Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors dites-moi, vous vous appelez ? Fabiola. Vous avez quel âge ? 33 ans. Et vous venez d'où ? Je viens de l'île de la Réunion. Daniel, la maman de Fabiola. Et quelle est votre discipline ? Le chant. Vous êtes professionnel ou amateur ? Amateur. Vous faites quoi dans la vie ? Dans la vie de tous les jours, je suis professeur de soutien scolaire. Ok, et quel est votre univers musical ? Michael Jackson, Whitney Houston, Céline Dion, Hélène Segarra. J'ai la chance d'avoir un papa qui est musicien, donc j'ai commencé le chant très jeune. Le chant, pour moi, ça me permet d'oublier un petit peu les soucis quotidiens, d'entrer dans un autre univers, et puis de m'épanouir pendant que je chante. Le chant, c'est une passion pour moi. C'est un rêve, un petit peu, de pouvoir faire carrière un jour dans cet univers. Incroyable talent, ce serait un moyen pour moi de concrétiser ce rêve que j'ai de devenir chanteuse. Tout ce que je souhaite, c'est que tu arrives à la finale. Déjà, avant de penser à la finale, il faut déjà passer celle-là, tu vois. La finale, on verra après. Comment vous est venue cette passion, en fait, pour le chant ? Enfin, j'ai commencé depuis toute jeune, en fait, à chanter. Ensuite, bon, la vie a fait que j'ai eu des petits soucis entre-temps. Quel genre de soucis, si ce n'est pas indiscret ? C'est un petit peu indiscret. D'accord, ok. Bah alors, on est là pour vous écouter. Vous avez 2 minutes pour nous séduire. Oh, j'adore cette chanson. Fabiola, chanter Whitney Houston, c'est un exercice extrêmement compliqué, parce que c'est juste l'une des plus belles voix au monde. Et franchement, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Je dirais même un vrai délice. Merci beaucoup. Et moi, j'ai senti tous les volcans de l'île de la Réunion se réveiller sous cette voix. C'était sauvage. Je vais vous dire un truc qu'on me dit souvent, mais que moi, j'ai rarement l'occasion de dire. Quel bel organe. Vraiment.
Vous avez donné tellement, parce que vous avez tellement à donner. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup galéré et j'ai envie maintenant que vous rattrapiez le temps perdu. C'est magnifique. Vous allez directement en finale.